Soirée la vieillesse. Ah, j'ai du mal, eu du mal à sortir mon fume, à moi je lui dis. Bon, je pense que tu veux. Bon. Ouais, bah, si c'était pas un gobinet, il ne sortait pas de mon lit. Hein. Ah, c'est parce que je suis censé. Oh, c'est dur ce matin. Dur ce matin. C'est le work qui me fait sortir du lit, voilà, il est. J'allais moi dormir ma chose tranquillement. Tranquille, hein. Tranquillement, tranquille. Hein. Alors. Oula, j'ai pas coupé le son. Calé. Non, j'ai eu du mal à sortir du primaire. Hein. Voilà. Trop dur. Calé. Il paraît que je suis calé sur l'axe loup. Hein? Il paraît que je suis calé sur l'axe loup, Massa. Oh, peut-être que c'est fini, hein. Il paraît que je suis calé sur l'axe loup. Mais je demande, quand vous commencez, pourquoi vous levez les mots d'ordre? Calé, c'est calé, non? Tout le monde doit caler. Ah, les Camerounais. Non, continuez, vous allez sauf que. Ah oui. Ah, vous pensez vraiment que nous en sommes encore au niveau de discussion? Est-ce que vous pensez que nous pouvons faire fonctionner ce Cameroun-là? C'est le genre de discussion-là. Les gants, est-ce qu'ils ont les dos? D'ailleurs, où en est la canne à sucre? Hein? Ils ont déjà acheté les poteaux du stade Olimbé, où ils ont toujours les poteaux chourés chez Amadou Aïdjo. Non, donc vous pensez que quand vous barrez comme ça, les gars viennent discuter avec vous, ils vont y changer quelque chose? Hmm? Maman. L'axe loup là. D'ailleurs, où est la nouvelle route Yaoundé-Douala? Vous pensez que si celle-là n'est pas terminée, c'est votre part d'axe loup là qui va être quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on agrandisse, qu'on fasse quoi? Quand vous barrez même comme ça, c'est quoi votre problème? Est-ce que vous-même vous savez pourquoi vous barrez la route là? Hmm? Pour que les gens ne meurent plus dans ça? Eh bien les gars, vu les paramètres, ça va sauf que mourir dans ça. Hein? Il n'y a d'ailleurs pas que la route, hein? Il y a vous-même. Il y a vous-même dans l'équation là, non? C'est grâce à vous-même que nous avons ce genre d'axe supra-lourd. Ah ben c'est grâce à nous. Hein? Eh ben oui, au bout de 40 ans. Cette route-là, c'est quoi? C'est année fin 80. Hein? C'est fin 80, cette route-là. Depuis là, Massa, personne n'a géré ça. Vous vous plaignez qu'il y a de multiples barrages. Vous ne vous plaignez pas que les gens meurent sur cette route. Maman. Donc, vous avez barré l'axe loup parce que vous ne voulez plus les multiples, vous êtes fatigué des multiples barrages pour escroquer. Hein? Parce que c'est l'escroquerie, il bat pourquoi? Mangez mille. Donc, vous ne manifestez pas après les morts atroces. Tous les morts sur l'axe loup, là, vous ne manifestez pas contre cette route accidentogène. Plus que accidentogène, c'est petit. Assassinogène. Hein? La route là, elle est assassinogène. Nous allons sauf que créer des mots. Vous sortez parce que vous êtes fatigué de donner les 1000 francs. Et c'est parce que vous n'avez plus les 1000 francs là. C'est parce que c'est chaud dans vous. Mais comme vous fichez pas mal de vos vies, vous ne sortez pas dire que trop de monde sur l'axe loup, nous voulons des routes. Où nous voulons qu'il y ait, je ne sais pas, que les routes soient aménagées de telle façon que les gens soient obligés de conduire d'une façon prudente. Ah, maman Sarah, là où le Camerounais doit mettre son énergie, on ne l'y voit pas. Ah, vous ne voulez pas faire de direct ce matin, wallahi. Donc, je vais même éteindre mon téléphone là et aller faire moi mes tableaux. J'ai plein de données à mettre sur les tableaux. Je suis dépassé par les enfants du 237. Vous pensez que les mange-mille là sont, c'est l'État qui les envoie. Votre propre mafia. Mais les gars sont affamés. Hein?
La corruption s'est installée. C'est vous-même qui êtes maître de tout ce qui se passe au 237. Vous manifestez contre qui? Contre vous-même. Ce sont les Martiens qui bloquent vos accès là où c'est vous-même. Hein? C'est téléchargé depuis mars. Ou bien sont les Camerounais, vos propres frères, vos propres pères, vos propres maris, vos propres enfants qui battent ça pour avoir leur part de pitance, mettre dans la casserole. Les Camerounais qui vivent au-dessus de leurs moyens là. Les gars vont seulement chercher les dos. Ils battent ça pour avoir les dos, c'est leur part de travail là-bas. Vous pensez qu'ils battent ça pourquoi? Votre propre système va vous engloutir. Et vous êtes là pour vous jouer au bandit. Ah, l'occasion fait le larron. Hein, quand chacun bat sa portion, on vous l'a déjà dit ici, que chacun doit. Le combat est décentralisé. Vous tous qui êtes au bord de la route, là, chacun doit battre son morceau de l'axe lourd là. On fait partie le régime là. Eh bien oui. Vous êtes là, vous ne voulez plus les barrières. Les barrières là, elles vont être là en pian. S'il n'y a pas de révolution au Cameroun, il y aura cette barrière là en pian. Même avec un autre président, il y aura ces barrières là. Eh oui. Même avec toutes les lois. Et d'ailleurs, il va faire appliquer les lois par qui? Le corrupteur, le corrompu. Ce sont ces mêmes policiers qui barrent les routes là pour manger les mille qui vont devoir mettre de l'ordre demain. Mais nous fumons quoi? Vous pensez qu'on peut réformer une police complètement corrompue? Il n'y en a pas un pour attraper l'autre 237. Tout le monde est dedans. Même le nouveau-né y a corrompu. On vous parlait de réformer la société, co, dans la paix, co, vous attendez quelles élections? Avec quel public? Les Camerounais qui sont là sont prêts à voter, à élire des personnes capables de diriger ce pays où ils vont élire des bandits qui vont laisser proliférer la corruption et tout. Oh, maman, moi, je vous dis, hein, je suis à deux doigts de me tirer une balle. Rien que là, maintenant, je sens que la rupture d'anévrisme n'est pas loin. Parce qu'il y a des choses qui sont visibles comme le nez au milieu du visage. Certains ont décidé de mettre ça sous le pied, de mettre ça sur les fesses, de s'asseoir dessus. Voilà l'axe premier du 237. Je suis sur le direct, j'arrête les commentaires, on n'a rien à foutre. Voilà l'axe premier. Nous sommes chap chamonix. Vous allez me dire que c'est l'heure de pointe. Voilà le 237. Vous avez vu ça? Voilà ce que vous appelez des routes, des chemins. Hein? Vous appelez ça une route. En plein doigt là. Ça, c'est une route. Chacun creuse son sillon là-bas. Regardez la poubelle en travers. Les mecs qui sont obligés de contourner. Mais voilà la réalité du 237. Que tous ceux qui sont dans Karine doit mourir là. Eh bien, voilà la réalité. Vous ne parlez pas de ça. Nous sommes plus dans le combat. Il n'y a plus de combat. Voilà, sorti de Yaoundé, il est 7 h du matin. 7 h du matin, ce n'est pas encore l'heure de pointe, peut-être pour le Cameroun. Hein? Regardez. Vous avez vu ça? L'heure de pointe ici, c'est 9 h. Regardez, vous avez vu la hauteur du conteneur là. Regardez, en plein centre-ville. Du moins, si on peut appeler ça un centre-ville. Je ne sais pas où c'est. Bon, bref. Vous avez vu la tête de cette voiture. Tu sais, elle tombe là. Hein? Bon, maillet. Voilà. Voilà votre national. C'est national numéro combien? Tout est mélangé. Et les camions, et les ceci, et les cela. Regardez, le piéton est dans la. Le piéton doit se chercher avec les serpents. C'est-à-dire, mais le petit bout de bitume, la moto vient te chercher là-bas. Tu ne peux, tu, avec les serpents, même là-bas, si tu creuses ta part de sillon, la moto viendra t'y retrouver. Chacun se débrouille. Et l'imbécile de Steve Fala viendra trouver un endroit avec des trous ici en plein hiver. Peut-être que trou fait même pour faire des travaux. Il va dire qu'il y a aussi des trous à Paris. Qui vous a dit qu'il n'y a pas de trous à Paris? Il y a des trous à Paris. Sauf que c'est bouché. Si tu appelles la mairie pour dire qu'il y a un trou là, on dit, je ne te donne pas une semaine, on va te boucher le trou là. Nous payons des impôts, nous savons à quoi ça sert. Au 237, nous n'en sommes plus au trou. Hein? Ce sont des boulevards de trous. En fait, le boulevard, c'est le trou même. Voilà votre pays. Vous avez vu le nombre de conteneurs sur des camions mal entretenus et tout. Comptez le nombre de conteneurs. Vous êtes là, vous ne produisez rien. Vous ne faites qu'importer.
Ce n'est pas l'exportation, hein, c'est l'importation. Regardez, vous avez vu le nombre de conteneurs, des engins de la mort. Des engins de la mort. Et puis ce foutu machin, quand ça tombe en panne, quand ça a des accidents sur l'axe lourd, là, on abandonne ça dans les champs là-bas. Hein. On abandonne ça au bord du camion, personne ne vient chercher son épave. Pourtant, ça appartient à tous ces ministres-là. Ce sont leurs trafics. Regardez, il n'y a que des camions pour conteneurs. Vous avez compté le nombre de conteneurs. Il y a même plus de conteneurs que de taxis. Regardez. Recomptez le nombre de remorques. Si ce n'est pas votre bois, c'est toute comment on appelle, tous les déchets de l'Europe que vous ramenez en Afrique. Et vous voulez être respecté. Comptez, vous avez vu ça. Peut-être que c'est la sortie du port, j'en sais rien. Autant de semi-remorques dans une ville. Même nous ici en Bengue, avec les marchandises qui circulent, je n'ai jamais vu autant de semi-remorques au même endroit. Et puis il y a des oreilles, il y a des endroits où ça ne roule pas. Son direct est fini. Ah, c'est un mot de pause. Regardez bien. Dans cette embouteillage citerne, s'il se passe quelque chose, une petite étincelle à Bomaye, regardez bien vos routes. Une route nationale, elle n'est pas occupée par les Camerounais. Elle est occupée par les affaires. Ah oui. Regardez bien, depuis que je suis là, vous voyez beaucoup de voitures de Camerounais. Hein? Vous voyez beaucoup de civils là, beaucoup d'individus. Même si c'est la sortie d'un port, Massa. Ce sont les voleurs de la République qui sont sur ces routes-là, avec leurs camions accidentogènes. Ah, vous reconnaissez les rails et tout ça. Ah ben, regardez. Voilà votre pays. Pendant ce temps, on nous organise les soirées à thème ici. J'ai vu les gens habillés style Marie-Antoinette ici, là. Je ne fais que passer. Eh oui, voilà les enfants du 237 qui disent être des quoi là, des influenceurs. Hein? Des influenceurs. Vous n'avez pas organisé une soirée Reine de Saba. Vous n'avez pas organisé une soirée Chaka Zulu. Hein? Vous avez organisé une soirée à thème genre Marie-Antoinette. J'ai vu des. Non, peut-être pas Marie-Antoinette, c'était plus récent, mais bon. J'ai vu des mélangements. Années folles, années ceci. J'ai vu des tenues. Moi, je n'ai pas mis les mains sur la tête. Enfant du 237, influenceur. Après, vous viendrez nous dire ici que c'est nous qui n'aimons pas le Cameroun. Nous sommes trop blancs, nous autres là. Hein? Vous venez nous dire que nous sommes trop blancs, nous autres là. Vous m'avez déjà vu engoncer dans une robe style tout nu, là, les faux cul et tout. Ouais, moi, il faut que passer. Vous vous cochez en même temps. Il y a quoi? Les enfants du Cameroun aiment la coche, non? Voilà le pays dans lequel vous voulez aller investir. Du moins, où vous dites même avoir télé-bas maison, télé-bandière. Voilà, même les poteaux. Même les poteaux ne veulent plus tenir la route là-bas. Les poteaux sont même tordus jusqu'à le feu sort. Voilà, vous êtes en plein centre. L'herbe vient chercher. Je ne comprends pas le pays ici. Voilà, Douala, la capitale. Regardez bien. Regardez, de part et d'autre, elle est bananier ou elle est bandière ou. Mais on vient là vous dire déguerpissez. Quand vous avez fini d'assainir les marécages, regardez. Capitale économique. Hein. Ce ne sont pas des arbres pour l'oxygène et tout, non. Et chacun pose son champ là où il peut. Hein? Voilà, Douala là. Les caniveaux, alors, tu as une dalle sur deux. La vidéo est terminée. Je ne sais pas ce que quatrième pouvoir voulait prouver là, que les routes ne sont pas barrées. Il faut faire l'axe solo jusqu'à Yaoundé, non? Voilà votre pays. Alors, tu te réveilles comme ça, chap, chap, avec les maux de tête. Tu te réveilles, chap, chap, dans ton pays, avec les maux de tête comme ça, sans aucune raison. Les gens pleurent. Il y a trop de contrôle sur l'axe solo. Il n'y a pas assez de morts. Il n'y a pas de morts sur l'axe solo. Vous attendez quoi pour dire que vous êtes fatigué de perdre les vôtres? Ici, là, dès qu'il y a un accident, même si c'est un seul mort, les gars là vont vous modifier la route C. Ils vont mettre une autre solution là. Si c'était le stop, ils vont mettre le feu. Vous pleurez l'argent, vous ne pleurez pas les hommes.
C'est l'argent que vous pleurez. Hein. Et parce que vous laissez stocker, si vous ne donnez rien, si personne ne donne plus rien, il n'y aura plus de barrière. S'il y avait une barrière avant, vous avez nourri la barrière. Ben, il y a une deuxième qui s'installe, une troisième, une quatrième. Chacun met la barrière devant son village. Eh bien oui, c'est nous qui créons la bête. C'est nous qui créons la bête. Cet argent-là vous nourrit vous-même. Allez tontiner, la famille. La vie, c'est la tontine. Nous autres en sommes arrivés où on n'a même plus envie d'entendre parler des histoires du 237 parce que nous avons l'impression que plus nous avançons, moins les gens réfléchissent. Oui. Ceux qui doivent même vous mener dehors là, votre propre vie, ça ne vous mène pas dehors. Vous voulez lutter contre la corruption étant les corrupteurs, les corrompus. Ah, Dama, c'est possible. Tu es partie prenante de l'affaire. Si tu ne fais pas ta propre révolution, comment est-ce que tu veux que ça finisse? Et nous autres Benguetel, là, nous sommes ceux-là alors qui nourrissons ça. Merci pour la tête de mort. Hein, bonjour à toi. Nous sommes ceux-là même qui nourrissons cette corruption, nous qui sommes en Bengala. Puisque nous disons avoir la force de l'euro, du dollar et tout. Quand nous arrivons là-bas, dès qu'ils tendent la main, nous voulons montrer que nous avons trop. Nous donnons seulement, même quelqu'un attend 1000 francs, tu lui donnes 10 euros. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas qu'il y ait un autre comptoir plus loin? Hein? Le gars se dit, s'il y a 10 euros ici, il y a 10 euros là-bas, j'ai un autre 10 euros sur l'axe. Ça fait 30 euros par jour. Avec ce qui me sert de salaire là, ah, je m'en sors royalement. Hein? La personne qui sait que l'imbécile est en train de me mettre la tête de mort là, me dit, je te bloque là, 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 de suite. Je vous ai déjà dit que mettre les têtes pas contentes ici. Moi, je ne suis pas contente. Tu crois que je suis contente? De me lever le matin, de voir ce Cameroun-là comme ça en direct. Tu crois que je suis contente? Hein? Et tu penses que quand il me met ici, c'est pour attirer l'attention de ma famille seulement. Oh, tu n'as pas ta part de cadavre ambulant à bord 237. Toi-même, là, un futur cadavre ambulant. C'est vous qui êtes toujours fourré dans ce pays-là. Depuis que je suis en Occident, ça fait plus de 20 ans. J'ai trop de doigts là. Le nombre de fois où je suis back au Cameroun. J'ai trop de doigts. Trop de doigts là, hein, en 20 ans. Tu viens mettre les têtes de mort ici. Ça change quoi ma vie? Ça change quoi ma vie? Ça a mis la nourriture dans l'assiette des tiens au 237. Tu viens dire ici que tu n'es pas content. Je t'ai invité. Est-ce que je t'ai invité? Votre Cameroun là va vous engloutir vous-même. Continuez à vous préoccuper des annexes. Continuez à vous occuper, continuez à vous perdre vous-même le temps. C'est vous-même qui allez finir là, Bomaye. Eh oui. Vous allez au Cameroun, oh, vous revenez entre ou pas. D'ailleurs, il y en a qui ne reviennent pas. Vous finissez entre quatre planches, stupidement. Les routes, il n'y a pas. Tout risque de vous tuer dans ce pays-là. Même votre propre famille. Donc, vous ne voyez pas ça. Quand vous allez au Cameroun, là, soyons honnêtes. Vous êtes d'abord dévalisé par qui? Pas dans vos propres familles. Vous qui parlez, vous venez mettre les têtes de mort là. Quand vous arrivez chez vous, là, vous pouvez poser votre sac à main comme le mien traîne ici, ou bien comme le mien traîne chez moi. Et vous pouvez laisser traîner. Rien que votre passeport, vous le mettez carrément dans votre trou dans votre TDC. Hein? Rien que votre passeport là. De peur que quelqu'un ne l'embarque, pourtant il est biométrique. Vous pouvez laisser votre sac à main. Même s'il n'y a pas les dos dedans, on va vous choisir votre sac à main là. C'est nous qui avons créé tout ça. C'est nous qui avons créé tout ça. Tant que nous ne nous remettons pas en question, hein, ce n'est pas le blanc qui viendra vous sauver. Même si le blanc revient encore mettre son nez dans nos affaires, le gars ne va pas être pressé pour assainir cette société-là. Non, il viendra juste ramasser lui ses matières premières. Il va vous laisser dans votre merde là. Ah, en plus, vous-même, vous dites que oh, les blancs veulent vous imposer ainsi et ça. Ils vont seulement vous regarder. À la limite, vous aurez un peu de boulot, de quoi manger, mais le reste là, le comportement, vos tares là, vous allez les gérer vous-même. Vous venez mettre les têtes de pas content ici. Que ça peut bien me foutre que tu sois pas content. Tu n'es pas content et c'est chez moi que tu viens mettre les têtes de mort. Si ce pays-là fonctionne, tu vas encore sortir ce genre de direct-là.
Regardez la société dans laquelle moi je vis. Tu veux que je te montre la route qui passe devant? C'est calme, je n'entends même. C'est bizarre, il n'y a personne aujourd'hui dans les rues. C'est calme ici. On t'a dit que je me préoccupe du fait que mon enfant soit à 180 km, risque sa vie sur le chemin de fer ou quoi en revenant. Mais je dors comme. Je peux passer une semaine ici, je n'ai pas de nouvelles. Je peux passer une semaine ici. Vous au Cameroun là, il faut donner les nouvelles chaque fois. Hein? J'espère qu'elle ne s'est pas fait agresser. J'espère que. Je peux passer 24 heures ici et voir pas un de mes enfants, ne m'inquiète pas plus que ça. Toi, tu es assis, si tu as les moyens de te connecter, tu viens mettre les têtes de mort. Tu viens mettre les têtes de mort, ça va changer quoi? Ne plus parler des problèmes du Cameroun, c'est ça qui va faire à ce que les problèmes là n'existent plus. C'est parce que vous n'en avez pas parlé pendant 40 ans que nous en sommes là. Et maintenant, ça déborde de partout. Les gars commencent déjà à manifester. Ah, mais c'est bien, c'est notre bavardage. Les Camerounais ont compris qu'ils peuvent manifester. Ils sont seulement en train de s'échauffer, ne vous en faites pas. Aujourd'hui, ils barrent la route 24 heures. Demain, ils vont barrer 48 heures. Après-demain, jusqu'au jour où tout le monde va sortir, jusqu'à ce que les Camerounais renversent ce régime-là. Vous doutez? Ouais, là seulement parce qu'il y en a qui pensent qu'ils peuvent faire la résistance dans la révolution, c'est impossible. Une fois qu'un peuple est conscient que les choses doivent changer, les gars, même si ça doit prendre du temps, ça va se faire. Ça va se faire. Et ce n'est pas le régime en place qui va y changer quelque chose. Que Tchakou Tessé est en train de faire son safari, non. Que Tchakou Tessé n'est pas en train de faire sa part de safari, je ne sais pas dans quel coin d'Afrique. Où est le parc de Ouaza? Que Tchakou Tessé prend ses babous, tchap, tchap, tchap. Elle va faire le safari chez le voisin. Pourtant, elle a l'endroit. Hein? Il fut un temps, elle avait le même safari. Elle avait le même environnement pour faire un safari. Même pas honte. Et vous pensez que c'est ce genre de choses-là. Et elle se voit même déjà calife à la place du calife. Vous voyez que c'est. Vous pensez que c'est ce genre de choses-là qui pourra diriger votre pays demain. Vous qui votez pour vos frères là, ils vous apportent quoi? Voilà Kérosène qui a son million aujourd'hui à la fin du mois. On vous a dit que quand il prend son million là, il donne même ne serait-ce que 5% aux gens d'Union Ekélé. Il donne même 5% aux gens d'Union Ekélé. C'est pour sa pomme. C'est pour lui. Vous êtes là, soutien à Caleçon A. Les gens là vous gèrent. Allez voir leur village. Ils ont posé pour eux. Même pas que bâtir tout un village ici, c'est quoi pour eux, les grands voleurs? Leur village devrait être des villages pilotes. Quand tu arrives dans le village, tu dis que mettez-moi ici, je ne vais plus en ville. Hein? Avec l'adduction d'eau et tout, ce ne sont pas les marigots, les rivières, la nappe phréatique qui manquent dans ces coins-là. Les gars posent pour eux. Ils ferment les portes. Tu veux voir ton propre frère, c'est limite. S'il daigne sortir pour te dire bonjour, on te donne le tabouret, là, on te met quelque part dans un coin. Tu sèches là-bas comme le Mbunga. Tu sèches là-bas jusqu'à. Tu demandes l'audience pour voir ton propre frère. Une fois qu'il est accroché là-haut. Une fois qu'il est accroché là-haut. Ce que nos influenceurs et tout là font, c'est la fuite en avant. C'est la fuite en avant. Ce sont les choses que les sociétés modernes font et encore. Et les soirées blanches, et les soirées ceci. Tu crèves de faim, tu viens sortir les histoires de soirées à gauche. Vous n'avez pas vu qu'ils multiplient leurs soirées là. Hein? C'est la fuite en avant. Ils multiplient leurs soirées là. Et quand vous adorez le Japa, vous êtes toujours versé là-bas, 7 000 sur un direct. Parce que vous aussi, vous cherchez votre part de Prozac. Vous cherchez votre part de Xanax. Hein? Votre part d'antidépresseur. Au lieu de vous battre, vous allez vous accrocher à la fuite en avant de quelqu'un d'autre. Maman. Ah, moi, je suis moi dépassée depuis vous. Je vous promets, je suis vraiment dépassée. Parce que tu te demandes comment est-ce que tout un peuple peut être aussi hors sol. Vous faites comme si. Oh, mais j'ai déjà dit aux gens que mon téléphone ne fonctionne pas. Vous faites comme si c'est quelqu'un d'autre. Moi, j'entends, mais on ne m'entend pas. J'ai un problème de micro, je ne sais pas pourquoi. J'arrive pas à résoudre ça. Il va falloir que je porte l'engin ici. Que j'aille à la ville, à la ville de Lyon avec. Yé, que les âmes. J'entends, mais moi, je n'entends pas. Hein.
J'entends, mais moi, on m'entend pas le micro. Je sais pas pourquoi j'ai pas de micro. Hein? Pourtant, il est bien ouvert. Oh, ça commence à m'énerver. Je vais finir par péter une durite. Ça doit être mon téléphone qui est. J'en sais rien. Changer d'appareil, changer de ceci, changer de cela. Mais j'ai pas de micro. Pas de micro. Il va falloir que j'aille vraiment à la décider. Il n'y a que pour me ressortir mon micro. Pas de micro, pas de téléphone. Pas de micro, pas de téléphone. C'est Pomba qui a bloqué mon micro, mon micro. Hein. Ah ben non, il faut que je ramène ça au technicien parce que moi j'ai déjà tout essayé. Si j'arrive à récupérer mon micro, donc c'est un peu chiant. Non, non, la famille, moi je suis dépassée. Même ceux qui sont censés être intellectuels là, hein, ceux qui disent être intellectuels, ce sont eux qui noient encore la société camerounaise. Parce que nous sommes tous des égoïstes. Oh. Une fois que quelqu'un accroche, lui, il ne se soucie plus du reste. Il peut être dans sa voiture 4x4. Il a l'impression qu'il voit le Cameroun là de très haut. Pourtant, il est posé dans ce merdier là. Vous pensez que les 4x4 fait un accident dans un 4x4, c'est même plus mortel que. Hein? Puisque quand tu es dans le 4x4, tu crois que tu es à l'abri. Donc, vous, accélération. Beaumayé. Les pleurs du bol, chacun lève les 600 euros des cheveux. Vous pensez que nous faisons du mal à qui? Moi, je vous pose la question. Vous préférez venir vous accrocher ici. C'est le blanc qui nous tient, le blanc. Il va vous tenir jusqu'à. Moi-même, là, je vous ai dit que ma branche ici va vous tenir jusqu'à fatiguer. Vous pensez que mes enfants auront des états d'âme à aller piller l'Afrique? Zambe! Vous pensez que les enfants que nous élevons ici, moi, on a sur nos frères africains qui disent, ah, tu es africain avant d'être européen. Je lape seulement, il dit que les. Ce ne sont pas ceux qui vous abandonnent même ici, devant les maisons de retraite. Hein? Vous pensez vraiment que vos enfants, si, auront des états d'âme à aller piller l'Afrique? Jamais. Jamais ne ment. Ils vont même être les premiers à aller piller l'Afrique. Instinct de survie. Ne développez pas votre part pour équilibrer les choses. Instinct de survie. Ici, on les paramètre pour survivre. Donc, vous imaginez bien que pour survivre, s'il faut aller à piller l'Afrique, ils vont sauf qu'aller piller. C'est à vous d'équilibrer. Vous qui êtes en Afrique, c'est à vous d'équilibrer. Mais vous êtes assis là, vous attendez que ça se télécharge. Dieu au contrôle. Oui, Dieu au contrôle. Pourtant, Dieu vous a tout donné pour que vous-même soyez au contrôle. Mais non, tu crois que je n'ai pas éteint mon ordinateur jusqu'à rallumer. Mais non. C'est un problème technique. Du jour au lendemain, bon. Non, il faut que je ramène ça au propriétaire. C'est ma chose. Ce n'est pas ma chose. Hein. Il faut que je ramène ça au propriétaire, lui-même bidouille ça là-bas. S'il faut changer de PC, ils vont changer de PC. Oh, moi, la famille, je vais vous laisser. Hein. L'occasion fait le larron. Ça doit sauf que se verser au sol. C'est comme ça. Nous ne pouvons pas réformer ce pays-là. Nous sommes loin de la réforme toute simple depuis. Eh oui, il y a 10, non, il y a 10 ans, le Cameroun aurait pu encore être. Quels 10 ans même? Non, non, non. Il y a 20 ans. On aurait pu réformer le Cameroun comme ça. Mais là, 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 maintenant, on doit tout verser au sol. Repartir de zéro.
Rien ne tient plus dans ce pays-là. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dedans? Rien ne tient plus. Nous-mêmes ne tenons pas. Le système ne tient pas. Comment est-ce que tu veux fonctionner avec des choses défaillantes? Vous avez déjà vu quelqu'un bâtir avec des choses qui devraient finir à la poubelle? Mais les gars, l'écologie là, hein, ça ne marche pas avec tout. Tu prends les personnes défaillantes et tu as des outils défaillants. Mais les gars, tu peux aller où avec? Tu prends un mauvais chauffeur. Tu mets dans une voiture pourrie jusqu'à... Tu peux aller où avec? Tu prends un mauvais chauffeur, tu mets, ou bien une personne qui ne sait pas conduire, tu mets dans une voiture sans frein, sans rien. En fait, tu mets dans une coquille vide. Dites-moi où est-ce que la personne pourra aller. Est-ce que la personne pourra même d'abord démarrer pour commencer? Tu prends la carrosserie, tu mets les sièges, tu mets quelqu'un dedans qui ne sait même pas conduire. La voiture ne peut pas bouger. Le mec, même si ça bougeait, il ne saurait pas conduire. Et vous pensez que les choses-là vont se faire toutes seules. Parce qu'il y a deux, trois personnes qui arrivent à bricoler à gauche, à droite. Vous vous dites que vous avez aussi un pays. Vous avez un pays. C'est un pays, ça. Le Cameroun n'est ni un pays, ni une nation, ni un État. Peut-être un pays. Mais sûrement pas un État. Et encore moins une nation. Je dis ça, je dis rien. Parce que ma bouche est faite pour bavarder. De gros trouillards. Est-ce que c'est même la trouille? Il y a la folie, il y a la méchanceté, il y a la stupidité, il y a plein de trucs mélangés. Mais là, vous voyez le Cameroun. Là. Vous pensez qu'il suffit de changer deux, trois personnes au sommet pour que le reste suive. Mais ça veut, nous allons nous entretuer en vrai. Comment est-ce que vous allez imposer aux Camerounais le changement s'ils ne sont pas prêts, s'ils n'acceptent pas la chose? Ah, pansement sur une jambe de bois. Ah, vous me donnez, le Cameroun me donne mal à la tête. Donc quand je fais un direct comme ça, je commence à me sentir mal. Je préfère couper. Je suis à brasser. Je suis à brasser. Bon, allez. Peut-être que c'est même aujourd'hui que je vais aller voir le propriétaire du téléphone. C'est pour qu'il me dise pourquoi il n'y a pas de micro. Parce que moi, j'ai déjà cherché le micro là partout. Sauf si maintenant, il y a un bout d'écouteur resté coincé dedans. Parce que ça aussi, et même, ce serait l'écouteur. Ce ne serait pas la sortie. Ce ne serait pas le son. Parce que moi, ça m'agace vraiment. Je suis obligée de rappeler et le téléphone portable. Ça. Allez, Mkamo, la famille. Non, mais vous n'avez qu'à voir ce qui s'est passé avec notre frère africain qui a été arrêté hier. Notre frère africain qui a été arrêté hier. Si ça arrive à un Camerounais comme ça, vous pensez que... Combien de Camerounais vont... Les Camerounais vont me dire qu'en finissant avec lui. Calibri, qu'est-ce que vous avez vu la différence entre Calibri et notre frère africain là? Vous avez vu la différence du traitement de l'affaire? Est-ce que vous avez vu la différence du traitement de l'affaire? Pendant que les propres frères de Calibri disent « Tuez-le !» Ah, être Camerounais, nawa. Pendant que les Camerounais disaient en rang, en rang de bataille, tuez-le, les autres se battent, même s'ils ne sont pas nombreux, se battent pour que leurs frères sortent. Eh oui. Les Camerounais disaient, tuez-le, finissez avec, ils vont encore ajouter sur le dossier. Wang. Ah, vous n'avez pas vu ceci. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Moi, j'ai bien mis mon sang dans la centrifugeuse. Il faut que je voie si il va ressortir de l'autre côté avec les jeunes Camerounais. Ah, j'ai déjà mis ma part. Hein? J'ai mis mon existence, mon corps, tout ça dans la centrifugeuse. Il faut que j'enlève ma part de Camerounité. C'est ça. Il faut que j'enlève ça. Parce que, hop, 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 hop. Il y a, comme a dit un jeune Camerounais, hey, tu n'es pas, comment est-ce qu'il a dit là? Que tu n'étais pas stérile. Les enfants fuient la nationalité, même les spermatozoïdes et les,
et les ovules évitent de se rencontrer dans le ventre d'une Camerounaise. Ils fuient la nationalité. Oui. Les êtres à venir fuient la nationalité camerounaise, ma soeur. Vous êtes là, vous ne voulez pas lutter. Ceux qui ont même le courage de lever la voix, même si nous ne sommes pas d'accord avec la façon de lever la voix, face à eux, vous voulez les kills. Pourtant, vous n'êtes pas capable, ne serait-ce que de tousser, de lever même le petit doigt. Monsieur, monsieur, est-ce que je peux, j'ai le droit de parler? Est-ce que j'ai le droit de parler? Hein? Camerounais de gros sorciers. Facebook va encore me bloquer. Ah, nous sommes de gros sorciers. Sorciers noirs, c'est nous. Et nous faisons du mal à qui? Beaucoup d'entre vous là, vous dites que vous irez passer votre retraite au 237. Même votre rôle là n'aura pas de force là-bas. Le kilo de viande coûte combien maintenant? 3 000 combien? La viande sans eau, c'est quoi? 3 500. Quand je partais du Cameroun, le kilo de viande sans eau coûtait 1 500. Celui avec eau, c'était 1 250. Un truc comme ça. Quand il quittait le Cameroun, le kilo de viande, c'était 1 500. Je peux me tromper, mais il n'atteignait pas 2 000. Ça, c'est une certitude. Quand j'ai quitté le Cameroun. Aujourd'hui, le maquereau, c'est combien? Congelé. Hein? Précisons, congelé. C'est combien? Même la banane plantain. Même la banane plantain. C'est combien? Un régime de banane plantain à 10 euros. 10 euros. Quel complément est-ce que j'achète dans ce petit pays à 10 euros le, je ne sais pas combien de kilos on peut avoir dans une. Mais vous avez le niveau de vie de la France, les gars. Hein? 10 euros comme ça. Et quand je vais là, je ne sais pas ce que je peux acheter comme complément au point d'atteindre 10 euros si ce n'est même pas exotique. 10 euros. Quoi, les pâtes, la pomme de terre, le riz. Avec 10 euros, tu as quoi? 5 kilos de riz. Ah oui, c'est ça. 5 kilos de riz. Et ici, dans cette maison, j'ai 10 kilos de riz là depuis des mois. On ne gère même plus ça ici. J'ai les gondelles ici qui mangent de ces cochonneries. Les 10 kilos de riz là sont dans le. Ça me regarde ici. Ça peut même faire un an là. Vous, quand vous allez acheter les 10 kilos de riz là, vous allez finir ça en souffle. En quoi? En 10 jours. Quels 10 jours? Une famille mange plus d'un kilo de riz par jour. Quand vous faites du riz, c'est plus d'un kilo par jour. Et le kilo, le faux kilo en plus. Le faux kilo en plus. Ici, quand je vais acheter, on prend ça comme ça, on pose ça là devant moi, je vois comment la balance fait zou. Parlant même de manger, j'ai pas encore pris mon petit déj. Et je vais manger des vermicelles ce matin. Je n'ai pas fait de course. Au fait, l'argent des litchis là, il faut, vous voulez voir mon frigo? Pas fait de course. Il faut que je prenne l'argent des litchis là pour aller faire les courses. Vous voulez voir mon frigo? Est-ce que vous voulez voir mon frigo? Mon frigo est vide. Ma soeur. La dèche. Je suis là, j'ai l'argent des litchis et je me fais regarder le frigo de quelqu'un. Maman. Vous avez vu le frigo de quelqu'un? Il est vide, ma soeur. Voilà la famille. Je vais. Oui, avec 10 euros ici, tu parles. Ici, le quoi? C'est 1,59 € le kilo de banane. 1,59 € le kilo. Oui, la voleuse de litchi, elle doit aller faire les courses avec le litchi là. Il y a quoi? Je suis là, il meurt de faim. Pourtant, je lève des milliers d'euros. Il faut que j'aille faire les courses. Je ne peux pas mourir stupidement de faim. Il y a quoi? Allez, la famille, on se tamponne demain. Ou pas, je suis vraiment fatiguée, sincèrement. J'ai besoin de congés. J'ai besoin de vacances, pas de congés, mais j'ai vraiment besoin de couper. Avec mon train-train quotidien. Alors, je vais prendre mon petit déjeuner, vermicelle,
J'ai acheté un truc chez le boucher là, de la viande roulée, la viande de veau roulée avec du fromage dedans ou la viande hachée, j'en sais rien. Bon, bref. J'avais jamais testé, donc c'est avec ça que j'ai petit déjeuner. Pourtant, putain, pardon. J'ai l'argent des litiges, je suis là, je ne vais même pas faire les courses. Ah, vraiment, Karine, hein? Tu es un cas social. Bon, à demain, la famille, portons-nous bien. La lutte, c'est au 237 et rien qu'au 237. Ça doit sauf que cuire. C'est comme ça et pas autrement. Donc, tout le bavardage là, hein, toute la littérature là, non, ça nous avance à rien. Au 237, et nous devons tenir bon la barre. La révolution sera en route le jour où les Camerounais vont sortir une semaine d'affilée. Ça veut dire que les Camerounais ayant des revendications. Hein, le jour où les Camerounais, avec revendication, vont se retrouver à manifester pendant une semaine d'affilée, ce sera le début de la révolution. Mais s'ils sont là à faire les lucioles, ino, zou, jour, nuit, jour, nuit, hein, ils font les échauffements. Ils font les échauffements. Et plus de temps vous mettez à faire les échauffements, plus long, hein. Et les gens vont continuer et à mourir de faim, et à mourir de maladie, et à mourir dans vos hôpitaux. Vous dites que vous êtes fatigué de voir les routes barrées. Mais les gars, vous avez des charlatans, vous avez des tueurs en série dans les hôpitaux. Donc, vous, votre vie là ne compte pas. Moi, je suis dépassé. Vous courez après l'argent et votre vie alors. Et votre vie. Tueurs en série à tous les niveaux. Dans ce pays-là, il n'y a que des tueurs en série, mais ça. En te piquant tes 1 000 francs, on te condamne à mourir de faim. Tu es en série, tu vas à l'hôpital, le médecin te demande de payer via son orange money. Et toi aussi, tu vas payer. Autant appeler le médecin là chez toi. Autant faire des hospitalisations à domicile. Ça sert à quoi d'aller à l'hôpital général? Parce que l'hôpital général va te sortir ta part de facture. Hein, et le médecin va te sortir sa part de facture. Mais je demande pourquoi est-ce que nous ne réfléchissons pas? Quand tu vas à l'hôpital, l'infirmière, comme le drame avec vol des organes là, tu donnes les dos à l'infirmière dans le noir là-bas ou au noir. Et l'hôpital vient encore te sortir la facture. Donc, tant qu'à faire, appelle l'infirmière là chez toi. Puisque de toute façon, même l'hôpital n'est pas sécurisé. C'est même pas sécurisant. Nous ici, l'hôpital, tu vois, tu dors là-bas, tu n'as pas besoin de garde malade. Mais à l'hôpital là, vous payez, vous apportez à manger, vous apportez les draps. Hein? Vous apportez tout en fait. Tout ce qu'on vous donne sont les murs. Et un vieux matelas. Parce que même le médecin là, il est tellement mal payé qu'il est obligé de vous escroquer. Vous allez à l'hôpital chercher quoi? Dites-moi. Si tu vas à l'hôpital, sois autre. Tu peux aller à l'hôpital sans vêtements, sans culottes, sans rien. On va tout te donner là-bas. Parce que quand tu as un accident, même on coupe tous tes vêtements, on fout ça. On te donne jusqu'au caleçon jetable à Zambedou. Donc tu peux aller à poil à l'hôpital ici, on va t'habiller là-bas. Tous ces sans domicile fixe, quand ils arrivent là-bas bourrés comme des coins, on jette leurs vêtements, on leur donne d'autres vêtements. Voilà notre pays. Nous sommes le danger de ce pays-là. Tu sais très bien comment fonctionne l'hôpital au Cameroun, mais tu y vas quand même. Tu y vas pour chercher quoi? Hein? Il n'y a rien ne fonctionne là-bas. Même le message. Mais. Le médecin, tu es là pour sauver les vies. Est-ce que tu es là pour les dos? Donc, vous voulez dire que médecins sans frontières, les médecins de médecins du monde et sans frontières là, ont plus de cœur que tous les médecins camerounais réunis. Des médecins qui font du bénévolat là, qui sillonnent.
qui font le don de. Hein, ils ont déjà juré de protéger, de sauver l'humanité. Ils vont encore de pays en pays, dans des endroits. Donc, vous voulez dire que les militaires, les médecins de guerre, là, ont plus de cœur que le médecin camerounais, civil. Puisque lui ne pense qu'à l'argent, il ne pense pas à sauver des vies. Vous êtes devenu médecin, pourquoi? Vraiment, moi, si, hein, si ma mère arrive à l'hôpital, elle finit comme. Même si c'est dans 10 ans, je viendrai, moi, me venger. Wallahi, wallahi, même si dans 20 ans, puisque vous dites que nous ne pouvons pas Bakoko, donc je ne pourrais pas faire ça chaud. Mais le jour où je vais Bakoko, quand même, même avec deux dents, je vais te chercher. Je vais te chercher. Gardez vos malades chez vous. Mieux vaut prendre un médecin du privé, là, aménager un coin pour hospitaliser les vôtres. Au moins, vous êtes sûr que, il va faire la liste de tout ce dont il a besoin. Les prélèvements, il amène au labo. Ça ne sert à rien de mettre sa personne à l'hôpital, puisque là-bas, la chaîne d'escroquerie est plus grande que si vous faites escroquer par une seule personne. D'abord, l'infirmière va vouloir son orange money, le médecin va vouloir son orange money, tel va vouloir son orange money. Autant prendre un médecin, un infirmier et faire l'hospitalisation à domicile. Et s'il y a des personnes qui sont hospitalisées à la maison, quand tu sais que ta personne est déjà en fin de vie, ça sert à quoi de l'amener à l'hôpital? Autant soulager sa douleur à la maison. Autant soulager sa douleur à la maison. Tu es à l'hôpital général. Hé, hey, maman Sarah. Tu apportes les draps, tu apportes à manger, tu. Et ça, j'ai connu cet hôpital quand on l'a ouvert. Hein. Ma mère a été opérée à l'hôpital général de Douala. Maman, c'est l'hôpital là maintenant où il faut apporter les draps, où il faut apporter la seringue, il faut apporter ceci, où il faut apporter cela. Vous venez là, vous venez ouvrir la porte, la bouche devant les Occidentaux. Oh, les Occidentaux, ceci. Oh, les Occidentaux, cela. Mais les gars, vous avez vu ne serait-ce que les CHU ici. Est-ce que vous avez vu ne serait-ce que les CHU? Allez alors dans des complexes privés et tout ça, la maman. Ouais, mangez par terre. Vous allez manger par terre. Il y a des complexes hôteliers dans ce. Je dis même hôteliers, parce que ça ressemble à des hôtels. Tu entres à l'hôpital comme ça, massa. Le milieu a aseptisé le faisceau. Je peux sonner ici à l'hôpital, l'infirmière ne débarque pas. Quand tu es en situation de détresse, tu es même branché de partout. Que s'il y a un truc qui, ton pouls descend, ou ton cœur fait un genre, là, tu entends toutes les machines qui font waouh, 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 waouh. Tu arrives à 235, tu te dis que même l'oxygène, il n'y a pas. L'oxygène, vous n'arrivez pas à mettre ça dans les bouteilles. L'oxygène. On dit que les pompiers arrivent. On te met le masque là, ici, comme ça, il n'y a pas d'oxygène. On vous a dit que le masque là fonctionne sans oxygène. On réanime encore au ballon. Laissez-moi, je vais mourir de rupture d'anévrisme. Je vais mourir de rupture d'anévrisme. Vraiment, à cause des histoires de l'Enéo. Allez, la famille, j'arrête comme ça parce que mon cœur est vraiment en train de se resserrer. M'avez-moi manger mes vermicelles. Vous voyez que nous ne compliquons pas la vie. Il y a la boulangerie à côté, là, en bas, là, mais j'ai la flemme. Vous voyez bien que je n'ai pas fait de course depuis longtemps. Je n'ai pas fait de course depuis longtemps, mais ça. Ouais, c'est vous qui êtes là pour vous compliquer la vie. Vous voulez montrer que vous mangez trop le poisson. Vous. Moi, ici, ça sort comme ça sort. Si j'ai même envie de manger le sangha. Si je fais le sangha là, tant que ma casserole là n'est pas zéro, moi, je mange ça matin, midi, soir, jusqu'à avoir mal au ventre. Ah! On n'a pas les mêmes soucis que certains. Hein. Hein? Voilà mon petit déj. Voilà. C'est ma fille qui a acheté un vermicelle. Hein. Elle avait mal aux dents. Et on lui a enlevé les dents de. Les dents de. Comment on appelle ça? Les dents de sagesse. Donc on n'arrivait pas à manger. Elle a dit que la seule chose qui pouvait passer, c'était les vermicelles. Ça doit faire 18 ans que je n'ai pas acheté de vermicelle dans cette maison. Ah ben oui, depuis que les enfants ne sont plus des nourrissons. Allez la famille, à demain. Hein? Peut-être. Je suis moins fatiguée. Pompier. Non, pas pompier. SAMU.
Non, là, c'est SAMU, c'est pas pompier. Quand qui va recommencer à faire les directs? Quel Vladimir? J'ai pas suivi la conversation, mais bon. Donc, suivant de près ce qui se passe sur l'axe lourd, et nos frères qui sont fatigués d'avoir autant de contrôle sur la route, faut suivre ça, hein? L'occasion fait le larron. Nous vous l'avons toujours dit. C'est un événement lambda qui déclenchera la révolution 237. Les Camerounais savent désormais qu'ils peuvent barrer les routes. Et c'est la chose à faire. Une des choses à faire. Nous devons barrer ces routes-là. Et pour longtemps, toutes les routes, pour longtemps, personne ne bouge plus. Pas Afameng Ndongo qui profite souvent du fait que ce soit isolé pour aller baratiner ses frères. Déjà, nous barrons, chacun barre devant chez soi là. Afameng Ndongo va passer où pour aller donner les 5 000 aux siens là-bas pour qu'ils se calment. Nous n'en sommes plus à devoir être calmés avec les 5 000. Ah, bébé. Vous qui vous laissez acheter là, quand on va te donner 5 000, tu vas aller mettre le Mbunga une journée dans ta marmite. Le lendemain, tu vas manger quoi? Nous vous parlons de lutter pour que vous ayez le Mbunga minimum dans votre casserole tous les jours. L'excès de Mbunga même. Non. Regardez les vermicelles. Ce truc-ci doit coûter 60 centimes le kilo. Hein. Même ça, vous n'avez pas. Ça, c'est. Et en plus, c'est cuit en 2 minutes. Même ça là. Vous n'avez pas pour donner à vos enfants. Ça doit être 60 centimes le kilo. Ça, là, que je vous montre là. 60 centimes le kilo. Et vous pouvez même fabriquer des pâtes. Les pâtes ne sont pas difficiles à. Œufs, farine et eau. Mais on vous a fait croire que pour manger, il faudrait que ce soit les Occidentaux qui fabriquent. Laissez-moi manger la bouche, si je mange, je ne parle pas. À demain.